Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce jeudi 16 décembre. C'est Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals. Il est 8h30, j'espère que tout le monde va bien. Hier, on a eu des nouvelles du côté du FOMC, du côté de la Fed, on va en parler ce matin bien sûr. Et ça a suscité de gros mouvements comme très souvent bien sûr vis-à-vis de ce genre d'événements économiques. Donc on va déjà regarder aussi ce qui nous attend aujourd'hui en termes d'événements en fait hein, sur le calendrier économique. Je vais juste actualiser ici la page. Je vous rappelle donc aussi que le webinaire qu'on a eu live ensemble mardi soir de 8h à 9h est désormais live ici sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver ici. C'est améliorer vos signaux de trading du coup pour de meilleurs résultats. Donc vous pourrez aller aussi regarder ça, il n'y a pas de souci. Du côté du calendrier, une journée chargée, on le sait déjà, mais à quoi ça ressemble? Alors dans moins d'un quart d'heure, on aura la confiance des entreprises, côté français, hein, bien sûr. Dans à peu près 40 minutes, 45 minutes, on aura ici l'indice PMI, Market PMI des services, manufacturier et composite côté français. Pareil, côté allemand, bien sûr, dans un peu plus de temps que ça, c'est-à-dire vers la fin de notre séance. Hein. On ira étudier ça ensemble juste avant de se quitter. Et sinon, à 10h, on aura la balance commerciale déjà italienne. On aura la décision de la BNS au niveau des taux d'intérêt du côté de la Suisse, bien sûr, avec le franc suisse, le CHF. On aura aussi côté européen ici ce fameux indice Market PMI des services du secteur, hein, des services du secteur manufacturier, l'indice composite aussi. Pareil aussi côté britannique à 10h30. Donc pas mal de choses qui s'enchaînent ici. Une conférence de presse de la BNS du côté franc suisse à 10h30 aussi. On va retrouver ensuite la balance commerciale européenne à 11h. Vous voyez, il y a vraiment, c'est très très condensé, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent sur le calendrier aujourd'hui. On a aussi ici, bien évidemment, tout ce qui est côté britannique à 13h avant la décision des taux de la BEE. Donc on en parlera cet après-midi, puisque cet après-midi on est live justement à partir de 13h30. On aura le compte-rendu de la réunion aussi hein, du coup du comité britannique par rapport à ça. Donc on pourra aussi en parler cet après-midi. L'occasion de nous retrouver bien sûr cet après-midi, c'est les décisions, enfin c'est la décision rendue hein, des taux d'intérêt de la BCE, un peu comme on a eu hier avec la Fed. 13h45 cette fois-ci aujourd'hui côté européen. On aura aussi les revendications chômage ici, variation de l'emploi ADP du côté du dollar canadien 14h30. Véritablement beaucoup beaucoup de choses comme vous pouvez le voir ici. Du coup cet après-midi. Donc pas mal de choses, les mises en chantier, soit dit en passant, 14h30 toujours côté US, permis de construire, etc. Et on aura aussi la conférence de presse hein, de la BCE qui nous attendra cet après-midi. Vous la retrouvez juste ici. Par la suite, 15h45, indice Market PMI du côté manufacturier, du côté du secteur des services aussi, côté américain, l'indice composite forcément. Donc une journée extrêmement remplie en événements économiques, en publications, comme vous pouvez le voir. Donc très important. C'est aussi pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous faire cet événement sur le calendrier économique à partir de 13h30. On aura l'occasion comme ça de voir ensemble bien sûr ce qui se passe du côté de la BCE, de parler de ce qui se passe du côté de la B, de ce qui s'est passé en l'occurrence du côté de la BOE, de voir aussi à 14h30 ensemble les publications américaines. De vous préparer pour votre séance US de cet après-midi. Donc j'espère que ça vous plaît bien sûr ici. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais déjà venir aussi sur le chat vous saluer bien évidemment. On remonte un petit peu et Christina qui nous disait bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bon hier Powell, du coup rien de nouveau. Hausse des taux directeur directement juste après le tapering. Fin des rachats. Tapering bientôt apparemment. Voilà pour la fête hier. Yes, bien résumé, hein, bien résumé ici Christina. Bienvenue à toi. Tu nous dis bonne séance à tout le monde et donnez un peu de force avec un petit like, pouce. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Du coup, Christina, déjà 17 likes pour démarrer la séance, c'est top. Merci à tous ceux qui le feront. Merci, nous disait Christina. Merci à toi, clairement. Merci bien à toi. Alors, ici, on avait aussi Philippe aussi, Gérard, Kennedy, Damien, Ixto, Didier, hein, Gabriel, Daniel, Jérôme. On a aussi Younous, Zaraki, pardon, aussi Niri, également Francis et Fleury qui nous disaient bonjour, bienvenue à vous tous. Hein. Merci pour la vidéo de mardi, nous disait du coup Niri. Je t'en prie avec plaisir, j'espère qu'elle t'a plu ou qu'elle va te plaire si tu vas la regarder. Ixto qui nous disait j'ai regardé le webinaire hier, franchement, merci, c'est du très bon travail. Merci beaucoup Ixto, ça fait super plaisir. Je remonte un petit peu voir si j'ai oublié quelqu'un. Didier aussi qui nous disait un bonjour Jérémy, bonjour à tous et à toutes. Déjà 72 points, 233 euros sur le Nasdaq 100. Je suis live et je stoppe. Bravo à toi Didier, félicitations, tu démarres bien la journée, clairement. Damien aussi qui nous disait une bonne journée et bonne séance à tout le monde. Xto aussi. Donc voilà, ici, merci pour les pouces aussi, hein, Philippe, depuis la Bretagne. J'espère que tu vas bien également. Alors on va attaquer directement sur les graphiques. Je vais juste vous rappeler donc forcément ce qui s'est passé hier du côté de la Fed. Donc hier, on sait que la Fed, du coup, désormais prévoit de resserrer sa politique monétaire face à la pandémie, bien sûr, et pour contrer la flambée de l'inflation. On va avoir justement
comment dire, ils vont doubler en fait, hein, tout simplement, la réduction des achats d'obligations. Et du coup, ça prendra fin au mois de mars prochain, donc mars 2022. Et ensuite, on aura une hausse en 3 temps du coup des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année 2022. Donc voilà à quoi ça ressemble du coup ce qui nous attend du côté de la Fed aux États-Unis. On va aussi bien sûr dépendre énormément du marché de l'emploi aux États-Unis en ce qui concernera aussi cette remontée des taux, bien évidemment. Mais Jérôme Powell a quand même été assez rassurant puisqu'il a dit que ça s'améliorait du coup. Ça allait continuer de s'améliorer au cours des mois à venir. Donc, un discours aussi rassurant. Les marchés se disent clairement que la Fed est du coup au rendez-vous pour du coup augmenter la vitesse de son tapering et pour lutter et garder sous contrôle l'inflation. Donc, c'est aussi pour ça que les marchés sont très, enfin apprécient en tout cas, hein, bien sûr, ce genre de décision en l'occurrence. Et ça a suscité de gros rebonds clairement qui effacent pas mal de pertes réalisées récemment sur les indices. Hein. Quand je parle de pertes, c'est bien sûr des mouvements baissiers du coup qu'on a eu. Et ça, c'est le JP225. Mais on va passer sur les autres indices tout de suite après, comme d'habitude. Allez, on part sur le JP225. En l'occurrence, qui rebondit depuis une zone ici, un peu niveau médian, on parle des 28 500 de la zone de range hebdomadaire. On a non loin de là aussi un point pivot mensuel qui nous permet aussi d'avoir une belle zone rebond en concordance et on arrive à franchir le sommet ici précédent pour l'instant direction l'R1 mensuel. Donc on va voir à quoi va ressembler bien sûr cette séance côté asiatique hein, sans trop de soucis. Hein. Ici on voyait même un petit peu avant. Hop, on a eu que de la hausse, c'est ce qu'on va retrouver sur l'ensemble des indices boursiers de toute manière. Donc on va voir bien sûr ici, on a franchi sans trop de peine le point pivot, on atteint la résistance R1 du jour. Donc côté européen, sans grande surprise, on a eu aussi un beau rebond depuis un niveau médian, les 15 500 sur le DAX 40, partie médiane de la zone de range hebdomadaire. Donc rebond, on est déjà sur le test du PPR1 ici intermédiaire, joli rebond en concordance également ici avec le point pivot mensuel. On va passer sur le graphique horaire, je vais rajouter la touche PVT. On avait cette zone de consolidation hier qui traînait un petit peu aux alentours des 15 500 justement. On avait la borne haute des 535, borne basse ici. Des du coup 15 450, on en avait parlé hein, justement dans la séance, et on a eu donc ce fameux break, réintégration soutenue ici par la borne basse, à nouveau repassé support de la zone de range précédente. Je vous établis à nouveau les niveaux, hein, bien sûr, 15 600 par le bas, 15 750 par le haut. Donc on a fait un retest, rebond, et on est reparti sans trop se poser de questions sur le niveau médian des 675, et pour aller chercher directement le test de la borne haute, avec donc ce niveau de résistance des 750 aux abords de la résistance R2 justement des 770 et des sommets ici précédents. Donc en termes de scénario, qu'est-ce qui peut nous attendre clairement désormais? Après une belle hausse comme on a eu hier, on peut très bien avoir un peu de récupération, d'autant plus qu'on est sur une borne haute de zone de range et qu'on a tapé la borne basse pour aller chercher la borne haute. On aimerait bien sûr continuer le trading en range, borne haute pour partie médiane et borne basse, c'est une des possibilités. Autre possibilité, on continue d'hésiter un tout petit peu en sortie de la zone de range et on casse au final la R2 direction la R3 à ce moment-là, mais on a une autre possibilité, j'allais dire un autre range, en l'occurrence, ça serait un range tout à fait possible aussi entre la R1 et la R2 si le marché du coup ne souhaite pas continuer son envolée depuis la publication de la Fed hier. Donc voilà un petit peu les scénarios qui nous attendent à mon avis hein, sur bien sûr ici le DAX 40. Quand je vais vous montrer ici pour l'instant justement c'est que de la hausse mais pas assez du coup de vagues pour exprimer ici une belle tendance. Donc pour l'instant c'est dans l'attente mais on est plutôt sur des mouvements aussi. On va voir si sur l'open ça se retourne justement, on aurait pas mal d'amplitude à récupérer. Et sur le petit graphique pareil, pour l'instant ça part quand même dans du range qui se cherche un petit peu, donc on va rester vigilant du coup jusqu'à cet open. Zone obstacle, on est monté très vite, on pourrait avoir de la récupération, mais seul le marché fait ce qu'il veut, donc on va le suivre et l'étudier comme au quotidien. Du côté du CAC 40, on s'aperçoit qu'on est aussi sur un gap haussier, de retour déjà sur la R1 mensuelle, du coup vis-à-vis du sommet précédent, on n'est pas très très loin non plus, parce que si on passe la R1 mensuelle, on attaque cette partie de mèche ici du sommet journalier précédent. Je vous avais dit on pourrait commencer à consolider, ça c'était avant la Fed. On n'est toujours pas de retour dans une tendance à tension, mais on est déjà de retour sur un test de l'oblique. Si on casse le sommet l'oblique, on repartirait sur des mouvements dans une nouvelle en fait tendance renouvelée. On va avoir ici le graphique horaire, la touche PVT qui nous montre qu'on est aussi sur une zone obstacle, la R1 du jour, la R1 mensuelle, sortie avec un gap haussier ici de la zone de range précédente. Donc pareil, si on a un complément de gap et réintégration de zone de range, on aura un test du prix du point pivot, en fait, hein, des niveaux de prix qui tournent autour du point pivot, partie médiane de la zone de consolidation, et ensuite pourquoi pas le test du support S1.
Si jamais on rebondit ici justement côté extérieur, puisque c'est avant tout une zone résistance qui est passée support, on peut avoir du rebond pour retester à ce moment-là la zone résistance. Et on peut aussi tout à fait ranger comme ceci. Si on casse sans trop de peine, on pourra progresser au-delà des R1, partir sur les sommets d'avant et la R2, je parle bien sûr de ces sommets-là. Voilà un peu ce qui nous attend clairement pour l'instant sur le CAC 40. Pour ma part, on va regarder le CAC 40 sur du 5 minutes. Hein. Bien sûr, ici, un petit gap, des obstacles avec la résistance R1 pour démarrer. Et ici, pour l'instant, un petit peu d'hésitation. Après, un départ potentiel de baisse ici, pas confirmé, qui passe dans du range en attendant d'en savoir un peu plus sur l'open aussi. On va partir sur le FTSE 100. Un FTSE 100 qui était assez sympathique hier matin. Vous vous rappelez, il n'y avait pas grand-chose à faire à part sur le FTSE 100, du coup, dans notre séance de 9h à 10h. On voit désormais ici un rebond aussi sur la partie médiane avec la touche HLS, hein, du mini terminal qui nous identifie le dernier sommet. Ici, le dernier creux par là. Et on a été testé les 50% entre les deux. En fait, aux abords un petit peu de ce point pivot aussi mensuel, on a trouvé également du rebond. On a un sommet plus haut que le sommet précédent. On est en train de faire un creux plus haut que le creux précédent. Mais on a quand même cette zone-là qui a bien été testée aussi, qui sera très très importante pour la suite. Alors, on descend sur le graphique horaire. On va s'apercevoir aussi qu'on a eu de la récupération. Vous vous rappelez qu'on avait cette zone de consolidation cassée, retestée côté extérieur. Impulsion baissière, correction. J'avais pris justement ici des mouvements de baisse, hein. Voilà, juste ici en séance hier. Et du coup, depuis, on a commencé à retourner un petit peu ici. Vous voyez, on a cassé ce niveau-là, qui est aussi celui-ci. Donc, peu importe un peu comment on va voir les choses, hein, sur différentes unités de temps, vous y verrez peut-être une épaule, tête épaule inversée. D'autres iront peut-être juste voir la tasse avec anse, etc. Mais en tout cas, on a cassé ce fameux niveau, et c'était le niveau des 7235, pour revenir déjà sur la résistance R1 et rentrer dans une nouvelle phase possible de zone de résistance en test, la R2 du jour et la borne basse de la zone de range précédente. Donc d'ailleurs, on va l'élargir un petit peu cette zone, histoire de la garder à l'œil. Hop. On va élargir ça comme ça, puisqu'elle va être très certainement d'actualité si on continue de monter. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour aujourd'hui sur la bourse britannique? On peut ranger entre le R2, la R2 et la R1 comme ceci. Réintégrer la zone de range en cas de cassure et confirmation d'un retournement de la zone, c'est-à-dire une résistance qui passe support. Et sinon, on a des mouvements de récupération jusqu'à la zone résistance ici qui passe aussi support autour des 730, pardon, 7235 et du coup 7240. Voilà un petit peu ce qui nous attend sur. Du coup, le FTSE 100, je vais vous montrer aussi ce qui se passe pour l'instant sur le FTSE 100. Il est un petit peu piégeur, ce FTSE 100, un range piégeur, dans le sens où on part ni vraiment dans un escalier haussier, ni vraiment dans un escalier baissier. Donc attention pour l'instant à des mouvements aussi possibles de récupération dans cet open qui nous attend. On va continuer avec la bourse américaine et le S&P 500. Je reviens sur le chat. Fleury qui nous dit bonjour à Tim, bienvenue à toi aussi Fleury. Bienvenue à tous. Hein. Yacine également qui nous, pardon, nous disait salut à tous, salut Jérémy. Je suis dans le DAX depuis hier, tout va bien, mais je ne sais pas quand sortir. Alors, très bien pour toi, Yacine, tout va bien, je suis très content. Par contre, je ne suis pas content parce que tu ne sais pas où sortir, Yacine. C'est un des éléments qu'il faut absolument que tu prennes en compte avant même de prendre ton trade. Savoir où tu sors en cas de perte, où tu sors en cas de gain. Tu peux avoir différentes sorties partielles en cas de gain, pardon, bien sûr. Tu peux avoir un stop sur, etc. Mais il faut que tu saches comment tu vas faire avant même de prendre le trade. Parce que ensuite, tu vas être dans cette situation-là où même si c'est un bon scénario, et ça, c'est le meilleur des cas, bien sûr, tu ne sais pas où sortir. Imagine si ça avait été un mauvais scénario, si tu ne savais pas où sortir, ça peut mettre vraiment rapidement en danger ton capital. Donc n'hésite pas si tu veux qu'on en parle. Seth qui nous disait hello les jeunes, ça va, bonjour Jérémy, bienvenue à toi Seth, j'espère que tu vas bien aussi. David qui nous a envoyé des pouces aussi, qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi David. On a aussi Ilias qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Ilias. Corsamax aussi qui est avec nous, qui nous dit bonjour à tous, des pouces, merci beaucoup, ça fait plaisir. 35 likes pour démarrer la séance, merci à vous tous, à tous ceux qui ont pris le temps d'appuyer sur le petit bouton like. Et Paul qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi Paul aussi. Alors on part sur les US, le S&P 500 ici qui avait, vous rappelez, réintégré sa zone de range, qui s'était arrêté sur l'obstacle résistance ici. On a été chercher plus que un petit peu le test de la borne basse, hein, puisqu'on a été un peu plus bas, testé aussi le point pivot. Et avec la Fed hier, eh bien on est remonté en flèche clairement. Ici, vous voyez en fait ce qui s'est passé. Test côté extérieur pour respecter un support qui passe résistance. Et en fin de compte, avec la Fed, on franchit la résistance sans trop de peine. On passe le niveau du prix médian un peu. Et on part directement sur le test de la borne haute, en fait résistance. On hésite un petit peu et on continue même à casser les sommets. Donc, on va vous rajouter les points pivots. Hop, voilà, ils sont rajoutés. On va dézoomer juste un petit peu, voir
où on en est. On est aux abords de la R1 du jour, juste avant la R1 et R2 intermédiaire. On est déjà un petit peu au-dessus des sommets précédents ici. Donc on n'est pas encore en train de faire des sommets historiquement hauts, hein. On a ce bout de mèche ici qui nous indique aussi un petit peu quelque part la résistance R1 du jour qui sera bientôt en test. Donc on arrive sur des niveaux hauts après une impulsion très importante. Donc on peut avoir de la récupération bien sûr. En termes de scénario, ça nous donne quoi? Des rebonds possibles côté extérieur de cette zone de range avec les 4720 qui passeraient support pour idéalement tester la zone R1. Sinon, on peut ranger tout à fait bien sûr entre ces deux niveaux-là, pardon, 4720 et notamment la R1 du jour qui se trouve être sur les 4750 points environ. Et sinon, réintégration de la zone de range. Voilà un petit peu, hein, clairement résumé rapidement ce qui peut nous attendre sur les marchés américains aujourd'hui. En plus de tout ça, vous savez, et je vous ai montré sur le calendrier, beaucoup d'événements à venir. Donc ces événements-là vont pouvoir bien sûr donner des impulsions, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et permettre aussi de casser des zones de consolidation. Donc vu le calendrier économique qu'on a aujourd'hui qui est relativement chargé, gardez ça à l'esprit, faites bien attention. Du côté du Dow Jones 30, on part ici sur la création de creux de plus en plus haut, un sommet quand même plus haut que le sommet précédent, un sommet d'ailleurs qu'on est en train d'aller chercher en test ici, hein, sur le Dow Jones 30 qui monte déjà. Avec aussi bien sûr aidé par la Fed et le FOMC d'hier. Donc pareil, on avait cassé le range, montré ici du coup le respect cette fois en résistance et ensuite on a directement réintégré sans même vraiment faire attention à la zone de consolidation. On est parti au-delà. On a hésité un peu plus en fait hein, sur le niveau de la zone résistance R1 mensuelle. J'ai rajouté ici les points pivots du jour, je dézoome un petit peu, vous voyez que ces sommets précédents correspondent un petit peu à la résistance R1 du jour sur laquelle on est quasiment avec le seuil des 36 130 points. Donc pareil, scénario possible en respiration ici pour trouver du support sur la R1, anciennement résistance qui passe support du coup, et tenter la poursuite. Si on est bloqué par rapport au sommet, on va ranger, sinon respiration par le bas et sinon cassure par le haut. C'est aussi simple que ça, bien sûr, mais du coup, il faut garder ça à l'esprit. Et ensuite, bien sûr, au bon moment, au bon endroit, dans un contexte en fait identifié comme ça, interpréter le price action et pouvoir bénéficier d'opportunités, gérer son risque, aller chercher des TP. Ça, c'est toute la partie trading qu'on fait aussi dans la séance de 9h à 10h. Donc voilà, ici, je vais rester sur du H1. On va partir sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui n'est pas sorti de sa zone de range du coup journalière, mais pour le coup qui a rejeté en fin de compte quelque part la borne haute pour aller tester la borne basse et rebondir sous le coup des paroles de Jérôme Powell aussi, hein, bien sûr, et la publication de la Fed d'hier. Donc pareil ici, on avait ici ce forme en fait hein, de double creux formé et rebond impressionnant, très rapide et d'une belle amplitude. Il y avait vraiment des choses à faire intéressantes hier soir, du coup pendant le FOMC, sur cette hausse du Nasdaq 100. Donc voilà, ici, on est sur une borne haute de zone de range, bien sûr. Vous avez même donc un petit peu un sas aussi ici, puisque vous avez deux bornes hautes hein, avec un peu de sensibilité. On va parler grosso modo de la zone des 16 450 points résistance avant la R1 du jour. Donc rejet possible. On peut ranger un petit peu entre le prix médian de la zone de consolidation 16 250 points et la borne supérieure avec les 450. Sinon récupération un peu plus profonde avec des bornes basses de zone de range qui nous attend autour du point pivot du jour. En cas de cassure, il faudrait quand même faire attention puisque là on a du coup l'AR1, le PPR1 intermédiaire ici. Ici on dézoome un petit peu. Voilà, on a cette petite zone là à réussir à casser si on veut directement aller chercher des sommets plus importants. L'AR2 journalière et l'AR1 mensuelle aussi ici sur le Nasdaq 100. On part sur une matière première comme le gold ici, je reviens juste sur le chat, on avait Cyril qui nous dit bonjour, je suis débutant, bienvenue à toi Cyril, et je veux me former, tu nous disais, je suis déjà des formations sur YouTube et je cherche une formation complète et compétente. Bienvenue à toi Cyril en tout cas, bah, écoute, t'es au bon endroit, on est live tous les jours, c'est un petit peu la meilleure chose pour se former, c'est-à-dire suivre le marché en temps réel. En live, je vous montre, je vous interprète les tendances pour que vous soyez aussi du bon côté du marché. Donc, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup de ressources aussi sur la chaîne YouTube Admirals et le site internet. Si tu n'as pas déjà été voir tout ça, je t'invite bien sûr à aller regarder. Je vous montre aussi hein, mon approche ici que j'ai développée à travers le temps, clairement. Tu verras ça et on pourra en parler dans la séance. Yacine qui nous disait je veux en parler avec un sourire comme je trade en H4 D1. Sur ce trade, je vise plus haut, mais est-ce raisonnable? Alors, bien sûr, Yacine, quand tu es sur des graphiques en temps important comme le graphique H4 et le graphique D1, c'est-à-dire le daily, le journalier,
bien évidemment, tes objectifs vont être plus importants, plus hauts, etc. Donc, on retournera si tu veux sur les graphiques, mais rappelle-toi, bien sûr, hein, et n'oublie pas, la prochaine fois que tu prends un trade, sache à l'avance où tu peux aller sortir en profit, où tu peux aller sortir en perte. Si ça arrive, malheureusement, on n'aura jamais 100% de trade gagnant, donc c'est essentiel de s'en rappeler. Et quand tu ne sais pas aussi, hein, tu es dans un bon scénario gagnant, mais tu sais pas où sortir, et si le marché se retourne, bien, tu vas passer à côté de gains que tu aurais pu réaliser. Donc, très très important. Et on va regarder ça si tu veux. Tu me diras l'actif, tu me diras les unités de temps et je te dirai si tu veux les supports résistance par exemple qu'il y a, bien évidemment, à titre du coup d'information. Alors on a le gold ici de retour dans la zone de range. Vous vous rappelez 1830, 1800, 1830 pardon, borne haute par le haut, c'est évident, mais résistance, borne basse support avec les 1720 $ l'once d'or. On est toujours en plein milieu et on a réagi aussi sur le gold vis-à-vis des zones support, des creux journaliers en fait précédents. Sur le graphique horaire, on va s'apercevoir qu'on est toujours dans la zone de range ici dont on avait parlé. Une borne haute résistance qui corrobore l'AR1 du jour des points pivots journaliers, donc les 1787,50. Une borne basse toujours présente sur les 1767,50. Niveau médian, les 77,50. Et on a du coup une fausse cassure quelque part par le bas. Pour mieux réintégrer, on se dirige sur la borne haute avec la résistance du moment. Donc clairement, les scénarios pour l'instant, ça sera un rejet possible pour un test du prix médian, voire réintégrer. Enfin, pas réintégration, mais poursuite sur le PP journalier et borne basse ici si le trading de range se poursuit. Sinon, on pourrait casser et progresser en fin de compte, hein, tenter de vraiment casser ses sommets précédents aussi et progresser sur l'AR2 du jour. Le scénario de range ici, à quoi il pourrait ressembler? Il pourrait ressembler aussi bien à celui-ci, c'est-à-dire borne haute pour partie médiane, un petit peu à celui-ci, c'est-à-dire ranger un petit peu autour de la zone résistance, vraiment si on a peu de volatilité, mais avec tout ce qui nous attend aujourd'hui, il y a des chances que ça, du coup, ça bouge, hein, sur le gold. Je vous montre un petit peu ce qui se passe sur mon graphique du coup du système Renko LTR que j'ai développé justement en tendance haussière en équivalence 5 minutes. On est stoppé pour l'instant sur les 61,8 de Fibonacci, un sommet de 3 ici. On a du mal à casser pour l'instant, mais le biais directionnel est sans équivoque ici. Plutôt à la hausse pour l'instant, en tout cas face à l'obstacle résistance qu'on va avoir ici. On va partir sur le pétrole aussi avec le Brent. Le Brent qui a réagi en résistance dans la zone dont je vous avais parlé. Et on a trouvé un petit peu de rebond quand même hier pour revenir tester le point pivot. Donc là, clairement, on a toujours ces jambes d'impulsion baissière qui sont d'actualité. Aujourd'hui, si on continue de remonter un petit peu trop, on pourrait former un creux plus haut que le creux précédent. Et on aurait plus encore cet aspect vraiment de consolidation possible au sein d'un canal haussier hebdomadaire, je vous le rappelle, mais toujours face à une belle zone de résistance autour des 77,25. Donc on passe sur le graphique horaire. On va s'apercevoir que ici c'est assez intéressant puisque on avait cette zone de consolidation cassée, même ici retestée cassée. On a consolidé un petit peu plus bas, un petit peu ici clairement, et on est revenu sur du coup le test de la borne basse mais côté extérieur en résistance, et ça corrobore le point pivot mensuel. Donc là, très important, soit on réintègre le range, soit on s'écarte et on repart sur du point pivot pour réintégrer le petit range ici précédent. Donc voilà les scénarios qui nous attendent. Et si on range clairement aussi au cours de la journée, ça sera autour du point pivot mensuel comme ceci tout simplement. On part sur le forex avec l'euro dollar qui consolidait aussi sous pression vendeuse dominante depuis un bon moment, mais ça pourrait commencer à se remettre en question puisqu'on consolide, et la consolidation peut nous entraîner sur deux choses possibles bien sûr ici suite à la cassure de ces consolidations, soit un mouvement de récupération, changement de tendance, soit une poursuite par le bas. Donc là, important de garder ça à l'esprit, c'est pour ça que je vous ai mis en H4 aussi une zone de consolidation qui demeure toujours fonction de la borne haute des 1,1375 et du niveau inférieur support des 1,1225. Donc on a un trading de range à l'intérieur de la zone, hein, ça on va le voir plus en détail sur le graphique horaire. On rajoute la touche ici PVT pour les points pivots. Donc le point pivot du jour, on est largement au-dessus. L'AR1 qui corrobore les sommets ici précédents. D'ailleurs ici, c'est vrai qu'on a des tests en bas. Et on a une extension un petit peu qui peut se faire tout à fait ici puisqu'on a déjà deux sommets à l'étude. Donc ici, clairement, on pourrait aller jusqu'au test de la R1 sans violer en fait les sommets précédents. On est en tentative de cassure de la zone de range dont le prix médian se trouvait être les 1,1283. Donc on a un scénario possible de hausse en direction de la R1, soit après rebond, soit de manière directe. Attention au range possible entre la R1 justement et les 1,13. Et en cas de cassure par le haut, c'est de la poursuite, sinon réintégration de la zone de range, prix médian et borne basse. Voilà où on en est sur l'euro dollar. Je vais vous montrer un graphique aussi de l'euro dollar en équivalent 3 pips. Ici qui a montré aussi son petit retracement super timide, mais de la poursuite et de la tendance haussière depuis hier soir, clairement aussi ici autour des 1,1260, et depuis ça a quand même fait du 50 pips de hausse aussi, assez intéressant cette hausse sur l'euro dollar. On ira voir le GBP USD tout de suite après.
Et justement, on va faire attention aussi sur ce GBPESD. Je vous disais, tendance journalière baissière depuis un bon moment. Ça commence à se poser des questions. Si on descend sur du H4, on va quand même voir qu'on a une belle consolidation. Je l'ai ajusté un petit peu cette zone de range puisqu'on avait beaucoup de tests quand même de plus en plus sur une borne haute actualisée sur les 1,3285 pour une borne basse sur les 1,3185. Donc en l'occurrence, on réagit borne basse, on réagit borne haute pour l'instant. On est proche de la borne haute en l'occurrence et on va regarder tout ça. Je vais vous actualiser aussi un petit peu le prix médian, voilà, de cette zone de consolidation. Ça va tourner autour des 1,3230. Et pour l'instant, du coup, test par le bas le plus récent. On essaye de rebondir ici autour du PPS1, du coup, non loin du point pivot du jour, pour rechercher encore et encore le test de la borne haute. Donc, on a ces sommets précédents. On a la borne haute, je vous disais, sur les 1,3285. Soit on atteint la zone et on continue de consolider un petit peu comme ceci, en fin de compte, dans la partie supérieure de zone de range. Soit on sera capable de finir ici un petit peu le trading de range, sortir par le haut, attention rapidement à la zone R1. Et si le trading de range persiste, ben, point pivot, partie médiane de la zone de consolidation, borne basse avec le support S1 pour un full scénario en poursuite du trading de range. En tout cas, sur un graphique 3 pips, on en est où? On est dans un début de tendance baissière possible pour l'instant, retracement du coup dans les zones Fibonacci. Si on ne remonte pas trop par rapport à ce sommet-là, on a aussi du coup la formation d'un double top possible du coup pour continuer du coup de récupérer en fait ces mouvements de hausse et continuer un petit peu le trading en range beaucoup plus largement présent comme vous l'avez vu sur les graphiques supérieurs ici. Donc voilà, on en est ici, je vais regarder la montre bien sûr pour pas être en retard sur l'open, il est déjà 56, je reviens sur le chat dès que possible. On finit rapidement avec l'USDJPY qui passe le point pivot mensuel ici pour aller chercher le test du PPR intermédiaire. On a cassé le sommet journalier précédent pour l'instant. Le graphique horaire qui va nous montrer qu'on sort de la zone de consolidation qu'on avait trouvé ensemble bien sûr sur une borne haute résistance des 113,82 cassée après un peu d'hésitation, hein, plusieurs fois clairement à chaque fois ici en test. On a réussi à le casser, pour autant on bloque ici avec 3 mèches en test. Si on rajoute les points pivots, pour l'instant on aurait de la respiration possible autour du point pivot justement et un petit peu de ce creux là. Respiration plus profonde sur une zone support désormais, les 113,82 possible aussi. Mais vous voyez bien que pour l'instant ça risque de consolider également comme ceci. Donc attention au dernier sommet, au dernier creux, on parle des 114,20 à peu près et des 113,95 sur l'USDJPY. Du côté de l'USDCAD, le dollar américain face au dollar canadien, on a réagi vis-à-vis de la borne haute en faisant des mèches un petit peu comme la fois précédente, hein, tout simplement. Et on réintègre pour l'instant la zone de consolidation. Zone de consolidation dans la borne haute se trouve être les 1,2850. Je vous avais mis une petite zone de range ici possible qui a un peu été travaillée quand même et qui marque le rejet. Attention maintenant au test du PPR intermédiaire avec ses creux ici. Résistance là, support, support, support. On va voir si ça fait support ou si ça se transforme à nouveau en résistance un peu comme ceci. On a le support S1 en sécurité ici aussi à casser pour plus de poursuites par le bas. Si on rebondit, on pourrait très bien ranger un petit peu comme ceci, justement entre la zone des 1,2802 et les 1,2850. Sinon, réintégration et cassure par le haut pour rechercher les tests supérieurs avec la R1 du jour également. Petit point crypto à 2 minutes de l'open, on se dépêche. On a eu du maintien sur le Bitcoin BTCUSD en H4 ici. On a réintégré avec le rebond ici et maintenu la zone support S1, borne basse de la zone de range, les 47,250 à peu près. On est un peu au-dessus du sommet précédent, au-dessus du point pivot du jour, idéalement un test de la zone R1, support S1, qui passe résistance bien sûr aussi en mensuel, et la R2 du jour à venir si jamais c'est assez optimiste du côté de Bitcoin. Donc voilà, on en est. Du côté Ethereum, pareil, on fait un double creux, on casse le double creux par le haut et on tente la réintégration limitée pour l'instant par les sommets, la zone support S1 qui passe résistance. Il faudrait casser cette zone-là pour aller chercher le prix médian à la hausse. Sinon, attention à une nouvelle sortie par le bas et le test des creux précédents. Voilà, on va mettre tout ça en place. Et du coup, on va regarder l'open bien sûr ensemble et démarrer cette petite séance de trading, scalping des trading comme d'habitude. Voilà, tous les graphiques sont en place. Pour l'instant, pas de tendance clairement, enfin pour moi en tout cas sur le DAX, hein, par rapport à ce que je vous disais, ce que je vous ai montré sur mon système à côté. Ici, on est clairement, oui, à la hausse, mais face aussi à un obstacle qui fait résistance borne haute de zone de range. Le CAC, lui, a déjà dépassé la borne haute, mais se situe avec du coup des résistances quand même, donc face à des obstacles R1 du jour, R1 mensuel. Ça y est, l'open qui arrive, il est 9h, on va voir comment les marchés réagissent.
revenir sur le FTSE 100, voir où on en était. Voilà, on est ici, hein, juste aux abords de la zone de consolidation. Départ d'une tendance haussière possible sur le petit graphique M1 du DAX pour moi. Donc on va voir en fonction de la cassure possible des 750 ou de son respect. On revient un petit peu sur les 730 pour l'instant. Ça hésite un petit peu. On pourrait très bien avoir des mouvements de récupération. Après, le marché peut tout à fait aussi décider de casser pour suivre au-delà de la résistance. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça bloque un peu. On a un GBPUSD qui veut monter. Un CAC 40 dans l'attente aussi, hein, clairement pour l'instant. On va passer sur du M1 ici. On a un FTSE 100 qui se retourne. On a de la baisse aussi sur le DAX, sur le CAC. Voilà, on repasse sur du range sur le M1 ici. Avant très certainement de retourner la tendance. Donc là, je peux étudier par exemple directement sur le graphique en temps un breakout possible par rapport à ces creux. On sait qu'on est face à une grosse résistance de l'autre côté. Voilà, on va voir ce que ça donne ici, cette petite cassure, hein, avant même que la tendance se retourne concrètement. Ça y est, ça commence à apparaître ici à la baisse aussi. Le DAX qui est encore un peu dans son range. C'est-à-dire que là, j'ai déjà des bougies baissières, l'histogramme qui passe en tendance baissière. C'est pas encore le cas sur le CAC 40, le FTSE 100 non plus, et le graphique M5 du DAX qui est encore en hésitation de trouver sa tendance clairement. Parce que quand même sur le M5, on arrive d'une tendance haussière qui pourrait respirer un petit peu plus bas, mais qui n'est pas baissière, hein, clairement pour l'instant. Donc en contre-tendance par rapport au M5, du coup du 9 points déjà ici de baisse, je vais aller sécuriser voilà, 9,5 points. TP1 du coup déclenché. Je vais rajouter la touche HST du mini terminal. Vous voyez le point d'entrée sur les 726, sortie partielle sur les 717, donc 9 et quelques de points. Alors ce qui peut se passer aux alentours des 700 et quelques. Voilà, on va y aller sans trop de peine, hein. On va y aller sans trop de peine, 710. Voilà, 705, ça me fera une deuxième sortie. Deuxième sortie pour du 20 points déjà. Je vais me placer break even. Donc rejet ce matin pour l'instant de la borne haute zone de range après une grosse poussée bien sûr hier suite aussi au FOMC. Je reviens sur le chat ici désormais. Cadnel Yanis qui nous disait bonjour, comment faire les points pivots soient tracés sur le mensuel en daily. C'est uniquement disponible avec votre plateforme. Bienvenue à toi Yanis. Alors ici j'utilise le mini terminal de l'édition suprême chez Admiral justement. Donc oui, c'est possible avec la touche PVT pour les points pivots journaliers. C'est l'autre, je vois d'ailleurs la résistance R1 qui est en train d'être franchie. On arrive par le haut, on passe par le bas. Pour l'instant, on teste hein, les 700 et quelques. Je vais aller voir ça aussi pour. J'ai de plus en plus, bien sûr.
Je vais tenter de laisser la respiration. C'est un breakout, on va voir si on peut laisser la respiration. De toute façon, break-even, 2 TP de sortie déjà en partiel. Donc voilà, la touche PVT pour les points pivots journaliers et l'indicateur, tu vas retrouver ici dans l'édition suprême. Quand tu télécharges sur le site Admirals, du coup admiralmarkets.com/fr, tu as tous ces indicateurs-là, Admiral, que tu peux utiliser, et tous ces experts advisors ici aussi. Donc pour les points mensuels, un point pivot Admiral mensuel que j'utilise, c'est l'indicateur Admiral Pivot. Tu le glisses ou tu double-cliques dessus et tu peux choisir l'unité de temps que tu veux. Tu peux choisir ici le nombre de barres que tu inclus dans le calcul. Si tu veux une méthode classique, Woody, Fibonacci, Camarilla. Si tu veux ici aussi personnaliser un petit peu le calcul fait du point pivot, etc. Donc retracement déjà important. On va voir si la baisse peut continuer sans trop de peine ou si du coup eh bien je vais sortir break-even. C'est une respiration suite à un breakout. Pas surprenant quand on a une cassure, on a une respiration à un moment donné qui arrive. En l'occurrence, on est dessus cette respiration encore à l'heure actuelle. Si on monte un petit peu trop, bah, je sortirai en break-even. Je verrai s'il y a encore de quoi donner de la suite. Maintenant ici, vous voyez que mon graphique équivalent CMA est bel et bien dans une tendance baissière. Je le laisse en zoom puisqu'avec le gap, sinon ça tasse un petit peu, mais on est bel et bien à la baisse ici sur le petit graphique. Yanis qui nous disait du coup je veux que les points pivots mensuels et du daily soient disponibles en H4 aussi. Tu peux le faire bien sûr Yanis, il n'y a pas de souci avec les outils ici chez Admirals. Olivier qui nous dit bonjour à tous et merci Jérémy pour tout ce que tu donnes, tu iras au paradis. Merci beaucoup Olivier, ça fait extrêmement plaisir à lire. Merci, merci pour ton message. Et très content que ça te plaise en tout cas. 49 likes, merci à vous tous. Jérôme qui nous disait hello à tous et bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Jérôme. Rossil également qui est avec nous qui nous disait bien le bonjour à vous, bienvenue à toi aussi, pardon, aussi, Rossil, voilà. Je vais reprendre un petit peu de café pour me réveiller. Toujours en cours sur du 16,5 de latent, en attente de voir si on arrive à percer les 15 700 ce matin par le bas bien sûr. Jean-Marc qui nous dit bonjour, hier soir 19h30, le gold a perdu 10 points en moins de 1 minute. Comment s'expliquent ces mouvements brusques? Alors je t'avoue que je n'ai pas été sur le gold hier. 19h30, c'était avant en plus le FOMC. Je t'avoue que je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient pour le coup. Freddy qui nous dit bonjour Jérémy. Et bonjour à tous les traders, bienvenue à toi aussi Freddy. Après, les mouvements brusques sur les marchés sont souvent autour des événements économiques. Il faut savoir aussi que parfois, il va y avoir aussi des ordres en attente qui sont placés, qui vont déclencher des mouvements très rapides et assez violents également, ou des niveaux de stop qui sont cassés, qui permettent justement un peu à la smart money de rentrer dans le marché, tandis que les stops des autres participants en fait, en place sur le marché sautent. Alors, on est en train de respirer encore ici. Alors ici, on est en train de retracer. Je suis sorti break-even justement sur ce mouvement-là. On va voir si le retracement, du coup, n'est qu'un retracement ou si on va pas revenir sur les points de ce matin, justement. Donc un breakout étudié ici pour, on avait vu à peu près du 10 points et du quasiment 20 points. On a un GBP/USD qui monte pour l'instant. Ici, on remet en cause la tendance baissière, on passe dans une phase de range potentielle. Attention au sommet précédent aussi ici. On a l'euro-dollar qui est en hausse déjà, mais est lancé depuis la nuit ici, hein. Puis tôt cette nuit. Du côté du gold, on consolide vraiment toujours face à l'obstacle résistance qui corrobore mon extension automatique de Fibo 61.8 ici aux alentours des 1786.22. Et on a un CAC 40 ici qui se cherche encore, ni encore pour de la tendance baissière ni de tendance haussière, mais plutôt dans un range pour l'instant qui se développe.
Si on descend sur les 15 719 et quelques, voilà. On va voir si on a de la relance à la baisse. Qu'est-ce qu'il me fait ici? Hop. Voilà, initié dedans. Trois points de latent pour l'instant, 3,5 points de latent. On va voir si on peut descendre un petit peu plus bas. Un test aux alentours des 708 serait les bienvenus. Pour l'instant, on a fait un maximum de 4 points et quelques. Relance de la baisse pour moi ici, hein. Toujours en contre-tendance vis-à-vis du M5, mais dans un début de tendance baissière possible sur du M1. Donc là, ça me permet de noter quelque chose ici, hein, pour ceux aussi qui se posent des questions, comment par exemple gérer sa séance, etc. Des choses qui sont tout à fait possibles si vos premiers trades sont gagnants. Vous pouvez ensuite utiliser une partie des bénéfices de ces trades-là pour faire en fait les prochains trades, ce qui vous met dans une situation certes où vous êtes dans la possibilité de faire moins que si vous risquiez toujours autant, mais c'est une façon aussi de sécuriser votre séance en fait quelque part, et ce qui vous permet d'être plus tranquille, plus confiant. Faut pas pour autant que vous soyez plus agressif parce que vous vous disiez bah, quoi qu'il arrive je ne risque plus rien, mais ça permet tout simplement de pouvoir aussi se dire voilà mes premiers scénarios sont bons, la suite bien de toute façon même si ça se passe mal je perds pas les gains, je vais pas finir ma journée en négatif. Donc voilà, petit exemple pourquoi je vous dis ça, bah, parce que tout simplement hop, ici premier scénario de break gagnant, là c'est un scénario en retracement, on va voir si ça peut justement donner de la poursuite. Si on revient d'ailleurs sur les 719 à nouveau. On est dessus en plus, on est à nouveau dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais réactiver le trading. Hop. Ah, j'ai repris une position ici. On va voir ici, petit pyramidage, si ça donne suite. Je vais me caler les deux stops au même endroit. Juste ici. Hop. Voilà. Et on va voir ici si on peut déjà rechercher un test autour des 710. Donc scénario en cours pour le moment sur le DAX, pyramidage. Pour une petite opportunité. Alors c'est vrai que quand on regarde le 5 minutes, on est contre la tendance, hein. On rebondit en fait depuis le creux précédent. Là, c'est vraiment le jouer le scénario que les nouvelles tendances démarrent sur les petites unités de temps. Clairement ici, parce qu'on avait un peu de consolidation par là, on a cassé, on reteste, on pourrait partir comme ceci. Tandis que le graphique M5 est plutôt encore haussier, clairement. Mais ça dépend aussi comment vous étudiez en fait votre trading. Si vous prenez des décisions sur les plus petits graphiques, en regardant les structures des plus grands graphiques, ou vice-versa. Tout est possible en trading du moment qu'on a une procédure pour le faire, etc., etc. On va voir ce que ça donne en tout cas. Phase de retracement sur un petit graphique M1.
retracement du coup pour des mouvements plutôt en baisse, hein. On a aussi du coup quelque chose qui corrobore ces scénarios de baisse possible, c'est la borne haute rejet résistance qu'on a pour le moment depuis ce matin, depuis l'open, hein, clairement sur le DAX. On a aussi de la baisse sur le FTSE 100, on a un CAC 40 qui veut baisser également. Donc on va voir si du coup tout ça amène à un retest au moins des 710 à peu près. Chenevis qui nous disait salut Jérémy, pourquoi si peu de volume depuis lundi? Merci. Alors volume, il y en a eu pas mal, hein, hier soir avec le FOMC, justement un marché qui était relativement en attente. Après, courant de la semaine, lundi, mardi, il y a eu quand même de la volatilité, hein, sur le Nasdaq, sur les séances du coup plutôt américaines. Après, hier, il y avait des choses intéressantes sur le FTSE 100, mais clairement pas beaucoup de choses. On était également dans l'attente de ce fameux FOMC. Didier qui nous est plus 13 points sur le Nasdaq 100 en short sur MT5, tout va bien ce matin. Bravo à toi Didier, félicitations. Jean-Pierre qui nous disait aussi bonjour, peux-tu nous faire une analyse du NZD USD s'il te plaît? Et Florian qui nous disait aussi bonjour, bonjour, bienvenue à toi aussi Florian. Oui Jean-Pierre, on va aller sur le NZD USD si tu veux, pas de souci. On va aller voir ça, NZD USD, du coup, voilà, il doit être ici. On va partir sur un graphique déjà, journalier. Alors on le met en grand ici, donc un graphique journalier du NZDUSD, côté Forex bien sûr, tendance baissière, mais respect du dernier creux. Donc pour l'instant on est en train de faire un double test ici, on revient déjà petit à petit sur le sommet précédent, ça va se traduire par un graphique H4 quelque part dans lequel où tu avais, alors hop, on va le regarder comme ceci, hein, où tu as un range d'actualité. On va parler d'une borne haute sur les 0,6820 pour une borne basse sur les 0,6740 par exemple. Ici, borne haute, donc borne basse, trading range en H4. Attention, quand on rajoute les points pivots, on a cette borne haute qui corrobore la résistance R1 et on a ce support S1 du jour qui corrobore un petit peu la borne basse. Donc trading range à l'heure actuelle pour ma part sur le NZD-USD. Donc scénario plus risqué puisque contre du coup bien sûr la tendance M5, donc ça peut mettre aussi plus de temps à se développer, ça peut tout à fait être un trade perdant bien sûr aussi, hein, il n'y a pas de trade gagnant 100%, on va voir ça ensemble ce matin. Je voulais vous faire un petit exemple après un breakout d'un trade de retracement, hop, on va rajouter la touche, voilà, HST ici, et d'un petit pyramidage au passage. Je sais que vous aimez bien aussi, hein, les pyramidages, donc cette opportunité ici, hein, quelque part on a un double test du coup en rejet. Alors pour le coup, c'est des mèches, c'est pas des grosses clôtures baissières qu'on a, c'est clair. Et du coup, on va voir si ça peut quand même se tenir cette zone ici. On a en fait compte ici du support ici, de la résistance pour l'instant. Voilà, dans 40 secondes, si j'ai une belle bougie baissière ici qui vient clôturer par ici, ce sera une belle indication aussi, bien sûr. Mais pour l'instant, on est dans la partie supérieure, on n'est pas encore dans la partie inférieure ici. Et on a quand même des mèches de rejet. Donc rien n'est fait. Je dis souvent, hein, de toute façon, un trade gagnant est un trade gagnant que quand on a le TP, du coup, au moins un TP par exemple d'atteint. Et un trade perdant, c'est un trade perdant que quand on a le stop loss d'atteint. Donc entre les deux, il peut se passer pas mal de choses. Et le marché s'exprime, hein, clairement. Christina qui nous dit du coup, Jérémy, pourquoi le niveau 750 est toujours un niveau psychologique sur le DAX, pourquoi? Alors si tu veux, sur le DAX, on marche beaucoup aussi de niveau de centaines en centaines, de 50 en 50 et de 25 en 25. Donc en l'occurrence, tu vas pouvoir retrouver ces niveaux du coup souvent. Là, clairement, on le voit, il a été retesté plusieurs fois sur des graphiques supérieurs. Donc assez important, clairement, comme niveau aussi ici. Alors, on n'a pas eu cette clôture importante sur la bougie précédente. On a 40 secondes pour voir si on a une belle baisse ici qui arrive enfin. 5 points latents sur ces positions. En baisse, je suis sur du pyramidage. Je vais attendre un retour sur les 710 et je pourrais aller gérer ça en utilisant toujours ici les petites roulettes des positions pour faire fermer par exemple partiellement. Allez, 15 secondes pour voir peut-être une clôture baissière. L'hésitation de la bougie pour le moment. Il faut vraiment qu'on arrive à percer les 720 pour continuer plus bas en direction des 710. Merci Jérémy, nous disait Jean-Pierre, je t'en prie Jean-Pierre. Seba qui nous disait aussi, salut, bienvenue à toi Seba. Si ton stop est touché, du coup tu perds 80 euros alors que tu gagnes des trades de moins de 10 euros. Comment tu expliques ce genre de money management?
Alors ici, par exemple, hein, quand je prends des positions, je ne vais pas forcément regarder, si tu veux, la taille du stop. Je vous fais des exemples à titre de position. Ce que j'utilise concrètement, moi, pour prendre mes trades, c'est ces outils-là, dans lesquels tu as déjà justement le risque qui comprend un certain montant en euros. Et du coup, mes TP, je sais, je connais les ratios, etc. Ici, sur graphique en temps, je vous fais plutôt des petits exemples de positions. Après, l'approche que je fais clairement ici et que je trouve dynamique sur les marchés, c'est de se dire qu'on va prendre un premier TP1 du coup proche, comme un peu le scalper, et qu'on va ensuite pouvoir se rémunérer sur le TP2, sur le stop suiveur. C'est là où on va vraiment se rémunérer. Le TP1 va permettre en fait de sécuriser un peu ta position et de pouvoir laisser ton scénario s'exprimer. Ça, c'est un petit peu ma méthode à moi. Je prends un petit peu le meilleur du monde du scalping avec du coup le monde du day trading où il y a un scénario qui prend place et qui cherche à se développer. Donc pour l'instant, mauvaise indication ici sur graphique M1, des bougies en rejet de la zone des 717. Donc après, là, on a plus de probabilité bien sûr d'aller chercher les stops. Fiam qui nous dit bonjour Jérémy, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toi Fiam, j'espère que tu vas bien aussi. Tu nous disais s'il vous plaît quels sont les avantages et les inconvénients de l'effet de levier. Alors l'effet de levier c'est à double tranchant, mais ça peut être positif comme négatif. Donc justement les avantages c'est que tu peux trader et prendre des positions plus importantes, des positions en fait que tu ne pourrais pas prendre vis-à-vis de la taille de ton capital. Grâce à l'effet de levier tu vas pouvoir prendre des positions beaucoup plus importantes que du coup ce que représente en fait ton capital sur le marché. L'inconvénient c'est que si on l'utilise mal, on peut cramer son compte de trading très rapidement. Parce qu'en fait, ça va te permettre de multiplier la variation du coup d'un point si tu es sur les indices ou d'un pip si tu es sur le forex de manière assez importante selon la taille de l'effet de levier que tu peux avoir. Il y a différents effets de levier disponibles chez Admirals. Il y a des petits effets de levier, il y a des grands effets de levier. Très souvent, on recommande bien sûr d'utiliser uniquement des effets de levier que si on est du coup pas connaisseur, mais si on est un professionnel, si on sait ce qu'on fait, si on fait attention, etc. Ça y est, les stops ont sauté ici sur ce petit scénario retracement pyramidé, les deux sont sortis de position, donc deux trades perdants ici d'affilée. Donc quand on fait du pyramidage, il faut être conscient de cela. C'est pas parce qu'on fait du pyramidage qu'on a du coup des taux de... Enfin, il y a deux choses. Quand on fait du pyramidage, en fait, on cumule aussi plusieurs signaux, ce qui veut dire qu'on a quand même des probabilités que le scénario se passe bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est une garantie en soi. Après, moi, tel que je vois la chose par rapport au pyramidage, c'est de bel et bien comprendre quand on trade n'importe quelle stratégie, on a toujours un drawdown, c'est-à-dire une séquence de trades perdants qui se suit. C'est-à-dire on va avoir 2, 3, 4, 5 trades perdants d'affilée. Le pyramidage nous permet juste de le voir un peu plus comment dire, en condensé, puisque si le scénario pyramidage ne se passe pas bien, donc si on prend 1, 2, 3 trades en pyramidant, si ça se passe pas bien, les 3 trades sautent et à partir de là, on a les 3 trades perdants. Donc on pourrait dire, ah mais c'est beaucoup plus agressif, etc. Bah oui et non, ça dépend comment on fait la stratégie, parce que dans n'importe quelle stratégie, vous allez avoir 3 trades perdants d'affilée, vous allez avoir même 4 ou 5 ou 10 trades perdants d'affilée selon les taux de réussite que vous utilisez. Donc en fin de compte, au départ, on peut se dire, moi c'était ma réaction hein, par rapport au pyramidage au tout début. Oui, c'est un peu agressif au final, parce que si ça se passe pas bien, c'est pas un trade que je perds, c'est plutôt 2, 3 trades. Mais en fin de compte, quand on pense ça, même dans une stratégie où on ne fait pas du pyramidage, on prend un seul trade et en fin de compte, bah, il est perdant, peut-être que celui d'après aussi, celui encore d'après aussi, et ça fait au final ces fameux 3 trades perdants également. Donc c'est toute une. En fait, c'est vraiment un jeu d'appréciation quelque part, du coup, des trades gagnants d'affilée, des trades perdants d'affilée. Donc après, sinon, oui, là, c'est vrai que je le risquais quand même plus sur les stops, mais tu m'as bien vu, j'ai pas été calculer ici directement la taille du stop avec le montant en euros. J'ai pris la position pour pas la louper, et du coup, j'ai juste été placer le niveau. Donc après, si tu veux, hein, du coup, pour un souci de précision et bien sûr de choses plus concrètes, je pourrais aller faire le jeu ici. C'est juste qu'en manuel, ça prend plus de temps, faut se préparer à l'avance, bien sûr, etc. Patchwork qui nous dit mes hommages à tous, bienvenue à toi Patchwork, merci pour le petit cœur, ça fait plaisir. Seba qui nous dit même pour des exemples, tu montres ce qu'il ne faut pas faire. Seba, tu parlais. Ah, c'est toi qui parlais par rapport au stop. Alors, après, si tu veux, ce que je montre là, je vous dis clairement comment ça se passe à chaque fois. Je vois bien ce que tu veux dire. Si tu veux, j'ai placé mon stop, etc. Mais je n'ai pas été calculer le montant en euro fixe.
Pourquoi? Bah parce que je ne traite pas sur graphique en temps, je traite sur ces outils-là, si tu veux. Donc quand je suis sur graphique en temps, je n'ai pas toujours le temps, c'est qu'à le dire, entre le chat, etc., d'aller chercher du coup le montant, etc. Après, si tu veux, j'essaierai de le faire à l'avenir, bien sûr. Mais je suis le premier à vous dire, bien sûr, de prendre le temps de choisir votre stop, de choisir le montant en euros par rapport à votre capital, etc. Après, pour moi, si tu veux, trader de cette manière-là n'est absolument pas la meilleure façon de le faire. La meilleure façon de le faire pour moi, c'est d'être assisté par la machine, avec mes outils ici. Donc là, d'habitude, j'aime bien vous faire des exemples sur ce système-là. Là, j'ai voulu vous le faire sur les graphiques en temps pour changer. Mais en l'occurrence, être assisté par la machine avec ce genre d'outils-là te permet de ne pas avoir à le faire. La machine le fait déjà pour toi. Dans les paramètres, tu dis, je veux risquer ça, du coup, un certain montant. Je veux ensuite aller chercher tant de sorties partielles et ça se fait tout seul. Donc ça, c'est très pratique. Et c'est vraiment comme ça que je traite. Donc c'est pour ça que là, je ne prends pas le temps, par exemple, dans la séance de le faire sur l'assistant, par exemple. Patchwork qui nous dit du coup un peu de sous avec le trading et le biathlon du grand Bornand. C'est beau la vie. Excellent Patchwork. Excellent, bravo. Donc on reste dans la tendance M5 pour l'instant. Début de tendance baissière qui s'est arrêtée face à la petite zone résistance. On continue, on remonte sur encore un test de la résistance supérieure. Yoann qui nous dit salut Jérémy, 80% du temps, les replis pour rentrer sur les marchés du CAC, par exemple, sont la nuit ouverture de marché. Et y a-t-il une raison à cela? Alors attends, 80% du temps, les replis pour rentrer sur les marchés du CAC, par exemple, du coup, sont la nuit hors ouverture de marché. Y a-t-il une raison à ça? En fait, la nuit, si tu veux, les marchés vont réagir en fonction de ce qui se passe à travers le monde. Donc si ça appelle à des mouvements de correction, tu tomberas dans ces 80% de temps où tu es sur le repli en fait. Mais après, si tu veux, tu as toujours ce phénomène de respiration sur les marchés, impulsion, correction, impulsion, correction. Même la nuit, et du coup, sur les autres marchés, ça va se traduire quelque part sur les marchés aussi qui sont fermés. Miss qui nous disait formation épaule-tête, épaule inversée sur le DAX. Alors, en quelle unité de temps, du coup, ici, Miss, on va aller le voir si tu veux. Miss qui nous parlait en M5. Alors, épaule, tête, épaule en M5. Je t'avoue que elle n'est pas très très très, très propre. Hein. Si tu vois l'épaule ici, la tête ici et l'épaule ici, c'est ouais. Je préfère juste moi voir en fin de compte une zone située ici, support défendu, qui en cas de cassure, oui, peut donner de la suite. Et là, tu vois, même si on remonte encore un petit peu, ça serait même juste un double top hein, avec le bas de ce double top en attente de cassure pour confirmation de la figure chartiste. Donc, ouais. J'y vois plutôt un double test hein, de la zone résistance des 750 pour l'instant. On a un CAC qui veut du coup continuer de tester sa partie ici. Alors, c'est pas la borne basse puisque c'est la borne haut de côté extérieur qui fait support pour l'instant. En cas de réintégration, comblement du gap ici. Et puis, on pourrait revenir plus bas encore. Rémi qui nous dit du coup, moi, le DAX prend 400 points, le marché fermé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rémi? Florian qui nous dit, du coup, je la vois pas la tête-épaule. Yes, elle est un peu particulière à Misty, du coup, l'épaule-tête-épaule. Ah non, tu nous parlais, pardon, d'une épaule-tête-épaule inversée. Donc, c'est pas une épaule-tête-épaule comme ça. Alors, attends, sur du M5, je t'avoue que je la. Alors, peut-être que tu la vois comme ça, ton épaule-tête-épaule inversée. Mais ouais, pour moi, non, je la vois pas comme ça. Il faut plus que ça pour une épaule tête-épaule. Si tu veux, là, il y a juste un tout petit rebond. Là, tu as bien et bien un rebond. Là, c'est pareil, c'est un tout petit. Ouais.
Je la vois pas comme ça, l'épaule tête-épaule. J'avais oublié le inverse, excuse-moi. Fiam qui nous dit merci pour les explications. J'aimerais savoir si les gains sur les trades sont en fonction de l'effet de levier du compte ou seulement en fonction de la taille du nombre de lots pris. Alors, si tu veux, tout ça est relié, bien sûr, Fiam. Hein. Quand tu prends beaucoup d'effets de levier sur ta position, tu vas prendre en fait un certain nombre de lots justement sur ta position et ça va jouer sur les variations des points ou des pips sur lesquels tu te trouves et à partir de là. Tu vas avoir des variations au point plus important, des variations du coup aussi au. Alors, hop, je viens de voir ici, scénario de baisse. Je vous montre ça, je vais zoomer ici avec l'assistant justement. Encore, alors ça ferait du 6 points si on atteint les 730 ici pour la baisse. La tendance baissière demeure encore. On est face juste à un niveau de support en fait, du coup, qui se trouve être la big ML ici. On n'est vraiment pas loin d'aller chercher les 730. On va voir du coup si ça peut donner suite aussi. Toujours réaction ici hein, de la borne haute des 750 pour revenir un petit peu plus bas. Miss qui nous dit attention, j'ai pas dit ETE, mais ETE inversé en M5. Oui, c'est, je viens de m'en rendre compte, mais même le TE inversé en fin de compte, si tu veux, si tu vois l'épaule ici, la tête ici et l'épaule là, ouais, pour moi, tu vois, c'est pareil, je préfère juste y voir en fait une zone de résistance en attendant d'être cassé. TP1 atteint ici sur la petite opportunité, du coup, pour du 6-7 points, je vais aller pouvoir sécuriser l'autre côté de 6-7 points aussi. Hop. Voilà, poursuite possible sur l'extension 61,8 de Fibonacci. Je vais me placer ici sur les 719 à nouveau. Point aussi hein, de test nombreux. On va voir si on peut avoir une belle poursuite. Ensuite, j'aurai une symétrie de marché 100% d'extension sur les 15 701 à aller chercher si ça veut bien du coup relancer la baisse. Pour l'instant, en tout cas, sur les M5, pour moi, ça continue de ranger. Donc, c'est vraiment aussi des scénarios qui ne sont pas plus optimum, bien sûr. Parce que les graphiques supérieurs ne sont pas encore en tendance. Florian qui nous disait, Rémi, amuse-toi à regarder les marchés futurs après la clôture européenne ou la pré-open. Tu pourras voir que la hausse a été construite depuis hier 20 h discours aux US. Ah oui, donc, de toute façon, la hausse hein, ici, clairement, ici est due au FOMC d'hier. Rémi qui nous disait, qui bouge autant le cours, les algos, c'est paramétré. Alors si tu veux, le cours réagit en fonction de ce qui se passe sur les marchés ouverts. En fin de compte, tout est relié. Tu sais, les marchés réagissent les uns en fonction des autres. Et du coup, tu as ces mouvements-là qui sont en fonction de ce qu'on a pu voir justement côté FOMC. On est en train d'atteindre ici, petit à petit, possiblement mon TP2 sur les 15 719. On est passé à quelques cheveux, du coup, de ce TP-là. On va voir si ça peut continuer. On commence sérieusement à ranger au final, clairement entre le creux réalisé autour des 700 et la borne haute des 750. Donc 50 points de range, attention sur le DAX à l'heure actuelle. Trois likes pour l'émission, merci, ça fait plaisir. J'espère que vous passez une bonne matinée ici pour l'instant. Je vous ai fait un exemple de pyramidage, ça n'a pas donné. Vous voyez bien comme quoi il n'y a pas de trade 100% du temps gagnant. L'important, bien sûr, c'est de respecter les signaux qu'on prend, de les prendre au quotidien. Si on prend certains signaux un certain jour, d'autres non, eh bien, on ne suit pas une séquence logique, du coup, de taux de réussite et de ratio associés à un signal, à une configuration. Et à partir de là, on ne met pas toutes les probabilités de notre côté. Donc du range sur le DAX, clairement le CAC qui va commencer à ranger de plus en plus puisqu'on maintient la zone des 7020 points. Abdessamad qui nous dit bonjour, un drapeau sur le FTSE 100 en graphique coréen. Alors attends, on va aller voir ça si tu veux. Non, je vois pas de drapeau. Je vois pas de drapeau en graphique coréen. Alors sinon faut dézoomer et tu vois peut-être cette grande phase de correction ici, comme ceci, mais c'est un drapeau qui est déjà cassé si tu veux. Et je pense même qu'on le verrait peut-être même plus en H4. Ouais. En tout cas on est revenu, hein, tu vois bien ici sur une zone résistance qui est passée, donc support qui suscite le rebond. Là on a un canal qui est quand même très pentu en H4 qu'on commence à casser.
Ça hésite du coup sur le DAX. On va repasser sur du M1. On va aller voir le gold aussi. Le gold qui hésite à continuer. Qu'est-ce que ça donne sur le gold? Clairement, on est toujours face à l'extension 61,8 de Fibo automatique ici. On a du mal à casser concrètement les 86,50. On a un GBP/USD qui monte du coup. On a un euro-dollar aussi qui est monté mais qui avait initié sa montée déjà au cours de la nuit. Donc dommage. Ouais, ça respire. On n'a pas réussi à atteindre encore les. Moi, il me fallait quoi? Il me fallait les 719,80. Pour l'instant, ça rebondit. Donc si le stop ici est atteint, c'est un scénario zéro puisque le gain est équivalent au stop loss en fait. C'est une manière de protéger le scénario sans se mettre break-even. Pourquoi? Puisque break-even, en termes de probabilité, au moment, ça dépend à quel moment on le fait, bien sûr, mais a beaucoup de probabilité de se faire toucher quand même. Même si je scalpe pas, tu nous disais Mist. Alors tu nous disais du coup merci, c'est toujours très intéressant. Ça marche Mist, merci beaucoup. Florian qui nous disait j'ai toujours ton premier short moi sur de l'eau future. J'attends les 700 environ pour un TP et repasser à l'achat. Ça marche, j'espère que ça va se faire hein, bien sûr Florian. Ici ça corrige pour l'instant. Moi je vais passer à quelques points d'avoir le stop loss suiveur ici qui se fait toucher. On va voir ça. Si ça veut pas continuer, ça remettra en cause la tendance baissière aussi ici. Voilà, sortie ici, ça remet en cause la tendance baissière avec la bougie ici qui passe en gris. Donc, zone de range potentielle en fin de compte. Pour l'instant, on a du mal à se dégager de quelque chose qui va ressembler à ça, un niveau à l'horizontale. Une oblique qui monte un peu ici comme ceci. Ça consolide et du coup, l'histogramme nous le dit. Retour sur le TSD, 750 encore et encore sur le DAX ce matin. Mist qui nous dit oui top, j'étais pas revenu sur votre live depuis 6 mois. Ça fait plaisir que tu sois de retour, Mist en tout cas. Bienvenue à toi. J'étais où? Il y en avait aussi Alaïdine qui nous disait bonjour, bienvenue à toi Alaïdine. Rémi qui nous dit du coup Florian, oui j'étais dessus hier soir, mais ça n'a pas arrêté toute la nuit. Même pendant l'ouverture, ça a créé moins de variations. Juste avant, ça te faisait une belle théorie de dos. Yes, après l'open hein, qui peut remettre les choses en cause, hein, clairement. On est en train de tenter la cassure des 750 ici pour l'instant. Sam qui nous dit bonjour Jérémy, j'ai loupé le webinaire amélioré son point d'entrée sur Zoom. Existe-t-il un moyen de voir le replay? Merci d'avance. Bienvenue à toi Sam, oui, pas de souci, je vais t'envoyer le lien. Il est du coup disponible sur la chaîne YouTube. Hop, ici, le webinaire, je vais te le partager. Hop, ici directement dans le chat. Voilà, Jean-Pierre qui nous dit du coup pyramidage consiste à renforcer ta position gagnante. Alors, ta position gagnante, ta position en cours, du coup, si tu renforces ta position perdante, on va plutôt appeler ça le fait de moyenner ta position. Moi, je préfère parler de pyramidage dans le sens où c'est soit tu prends encore une position alors que tu es déjà en position, tu n'as peut-être pas encore touché ton TP, soit tu as déjà touché un TP, tu reprends une position dans un scénario qui est déjà lancé. C'est ma définition en tout cas, hein. À moi. Jean-Pierre qui nous disait, alors pendant je l'avais lu, Florian qui disait ouverture Europe assez calme, oui, vu que c'est les US pendant leur session qui en ont profité. On a aussi Ridaoui qui nous disait, Alain, qui nous disait un petit pouce pour Jérémy, merci pour la pédagogie, avec plaisir Alain, merci beaucoup à toi. 73 likes, ça fait plaisir, hier on a atteint les 125 hein, quasiment sur la fin de séance, merci encore pour ceux qui ont liké la vidéo d'hier, Mist qui nous disait cas sur la ligne de coup et ETE inversé M1. Yes, donc cassure de la zone ici, hein. Cassure de la zone. Alors, en l'occurrence, c'est vrai qu'on ne peut plus y voir sur le M1 une ETE inversée. Là, je suis plus d'accord avec ça que sur le M5 en fait, parce que là, elle est plus définie. Donc ça y est, c'est en train de casser, ça monte. Début de la tendance haussière du coup sur le petit graphique Renko M1. Je peux changer mon billet ici et on part pour l'instant sur aussi de la hausse. Alors, ça casse, on est déjà sur le test de la R2 pour l'instant sur le DAX. Christophe
Pessina qui nous est gap à 900. Ça marche. Gaëtan qui nous est du coup, je voyais une différence sur tes niveaux et les miens sur le DAX. Je viens de comprendre, je suis sur le futur et pas toi, lol. Exactement, on est sur du CFD cash ici chez Admirals. Christina qui nous dit, Jérémy, si comblement de gap sur le DAX, ça fait risque. Pardon, tu nous dis, risque-t-on un emballement aussi directement après le comblement? Ça dépend, ça dépend. Quand tu as comblement du gap, des fois justement tu as ensuite la réaction qui permet de rejeter ce niveau de comblement. Et des fois tu as l'emballement qui se fait derrière. Donc c'est là où il faut étudier le price action à l'instant T pour y voir justement la possibilité plus probable du rejet ou de la poursuite et de l'emballement. Alors, est-ce qu'on est parti pour la hausse? Pour l'instant, limité par la R2. On va voir si on peut casser cette R2 et continuer au-delà des 65. On a un CAC 40 qui réagit aussi sur la borne basse. Enfin, borne haute, mais qui fait office de support. Un double test ici, on casse par le haut. On va voir si on peut se décaler également à la hausse. Un GBP/USD qui tente la cassure de son range également. Le gold qui fait pas grand-chose. Le FTSE 100 qui rebondit depuis le PPR1. Alors pour l'instant, respiration depuis la R2, on va voir si on a un peu de rebond hein, autour des 50 à venir. Un CAC 40 qui respire aussi. Si on regarde rapidement le gold, toujours limité hein, concrètement par les 86,50. Hein, et en plus, au-delà de ça, on a l'AR1 qui corrobore la borne haute avec les 87,50. Du côté du pétrole, on hésite toujours vis-à-vis du point pivot. Vraiment le niveau médian pour aujourd'hui, un niveau central vraiment important. L'euro dollar, on est un petit peu au-dessus de la zone. On a tenté ici le rebond, on va voir. Mais pour l'instant, on est bloqué par le sommet précédent. Allez, si on retrace un petit peu plus sur les 750, on verra si on a du rebond. On est en tendance haussière cette fois en M5 et en M1. Alors, on respire, on est de retour sur les 750. Est-ce qu'on va avoir du rebond ou pas? Maintenant, c'est la question. Est-ce que l'ancienne zone ici, que vous retrouvez en résistance, 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 va faire office de support? C'est le moment d'y voir justement le test du price action, voir ce qu'on va avoir. Le DAX est parti chercher mon SL du short. Désolé de l'apprendre Florian, ici on commence bien la journée. Alors des fois, tu peux démarrer ta journée avec un trade perdant et avoir une belle séance derrière. Ça arrive aussi. Et si on s'arrête même à 1, 2 trades perdants, bien des fois, on dit bon bah j'arrête ma journée alors que derrière il y avait bien plus que ça. Il faut savoir que les trades perdants sont suivis des trades gagnants. Les trades gagnants sont suivis des trades perdants. C'est comme ça que ça marche aussi en trading. C'est pour ça qu'il faut aussi, c'est une des raisons de plus pour lesquelles au niveau psychologie, au niveau émotionnel, il ne faut pas se focaliser par rapport à ça. Un trade en soi, ce n'est pas important. L'issue, l'outcome d'un trade qu'on prend, s'il a du coup vraiment de la, comment dire,
de l'impact est vraiment une importance pour nous, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on risque peut-être trop sur ce trade-là. Si on peut perdre un trade ou deux ou trois sans que ça nous atteigne vraiment de manière émotive, on va dire, hein, au niveau des émotions, que ça va jouer sur nos prises de décision et sur notre réaction et qu'on va peut-être faire du revenge trading, tomber dans l'overtrading, si c'est le cas, c'est qu'on risque trop sur le capital tout simplement. Et ça, on en parlera aussi dès l'année prochaine sur des topics qu'on va étudier, pardon, ensemble lors des webinaires qu'on fait ensemble. Rémi qui nous est cassure aussi la ligne des sommets en H1 sur le DAX. Du coup, nous sommes sur le 61,8 de Fibonacci, donc probablement en retournement au plus haut. Ouais, on casse des choses intéressantes pour l'instant. On va voir si on réagit depuis les 750. Lord qui nous disait, Rémi, pardon, qui nous disait aussi ça a bloqué sur le 61,8. Donc en H1, les 61,8, peut-être aussi, tu avais vu. Hop, ici. Alors, je t'avoue, je ne les vois pas en H1 T61,8. Moi, j'y vois surtout la borne de zone de range autour des 750. Et là, le test, hein, soit pour réintégrer, soit pour rebondir depuis la zone. Lord qui nous dit bonjour Jamy, bonjour à tous, bienvenue à toi Lord. Je suis présent en retard mais heureux de tout de même. Je pose mon like et je kiffe la suite de ce live. Merci beaucoup Lord, ça fait plaisir. 81 likes depuis le début de la séance. Merci à tous ceux qui ont pris le temps. Il est déjà 9h45. On va avoir des publications, hein, sur cette fin de séance. On va aller voir ça bien sûr ensemble. Alors, on a eu la publication déjà de l'indice PMI au niveau manufacturier positif en Allemagne, au niveau du coup du secteur des services négatif. Du côté de la BNS, on est resté inchangé, hein, sur du 0,60, moins 0,75% pour les taux de la BNS. Côté français, on avait l'indice PMI qui était du coup positif du côté du secteur du coup des services, voilà, mais pas du côté manufacturier, au contraire, c'était négatif. Et d'ici 13 minutes à peu près, on aura l'indice manufacturier composite et du secteur des services côté européen. Florian qui nous disait, du coup, oui, après, t'en fais pas, je suis absolument pas stressé, moins de 0,5% du capital. Parfait ici, parfait Florian. Comme ça, voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça t'impacte pas, ça va pas changer tes décisions pour le reste de la journée, ça va pas te pousser à commettre des erreurs, etc. Mon Fibo est en daily, par contre, nous dit Rémi. Ah, ça marche, je comprends. Je comprends du coup. Ouais, bah, je comprends du coup, tout à fait. Ici, tac. Donc en effet, ça tape en plus concordance parfaite avec le 61,8 de Fibo daily, comme tu nous le disais Rémi, et l'AR2 du jour des points pivot admirables. Donc pour l'instant, c'est plus la réintégration qui commence à se faire, hein, vis-à-vis de la zone des 750. Alors on va regarder ça ici, un scénario qui est en attente depuis tout à l'heure. On a l'assistant qui traque du coup la prochaine bougie d'inversion haussière. Donc elle était ici au début possible, là ensuite, et là désormais c'est ce niveau-là. On prend en compte bien sûr le spread aussi, donc ça rentre en ligne de compte ici. Et du coup, voilà, si ça clôture automatiquement, un ordre en attente qui me permet d'être du coup dans le marché. J'ai mis 3 en TP1, 6 en TP2, ça va correspondre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Si le marché continue, eh bien au bout d'un moment, je peux aller désactiver du coup l'assistant. Mais il prend pour moi, du coup, ici en nombre de lots de 0,25. J'aurais pu le mettre en montant en Eurofix, justement, où je mets 25, 50, etc. Et ça se fait tout seul. Donc c'est super pratique. On n'a pas besoin de faire le calcul du coup à chaque position qu'on prend. Donc on va voir si ça réagit autour de la zone des 50. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on risque d'être un peu bloqué quand même par les 50 à nouveau. Moi, le prix d'entrée ici serait autour des 48,86. On a une tendance baissière qui commence à se décliner, hein, pour moi sur le CAC 40.
ici les premiers bâtonnets de l'histogramme en rouge. On commence à du coup se décliner vraiment à la baisse. Il faudrait savoir vraiment franchir quand même les 7023-22 points. On a une symétrie de marché sur les 7006, les 127 sur les 6994. Donc plutôt baissier du coup pour le moment ce CAC 40 en train de se poser encore sur le niveau des 7025 qu'il faudra réussir à casser si on veut pouvoir vraiment enchaîner sur cette tendance baissière. Vraiment pile dessus, tu nous disais Florian, bien vu Rémi. Clairement, clairement depuis le sommet du 19, les 61,8, ça marche. Je pense que c'est celui que j'ai été voir. Je pense que c'est celui que j'ai été voir. Rémi qui nous dit non, le 7 décembre, j'ai pris la dernière baisse. Alors normalement, c'est ceux que j'avais été voir. Ouais, parce que si on prend vraiment ici. Ah non, le 7 décembre, t'as pris. Du coup, ouais, c'est vraiment là. Ouais, les 61,8 qui sont pas très loin, mais du coup qui vont pas corroborer les 750. Hein. On est un petit peu en dessous du coup. Yes, yes, yes. Florian qui nous dit, du coup, ça correspond aussi au plus haut du 19 et au plus bas du 30 novembre. Rémi qui nous dit, du coup, ah non, je dis n'importe quoi, c'est bien celui du 19, 11, et du coup, il y a trop de lignes sur le graphe. Enfin, ça marche, pas de souci, Rémi. Ouais, donc c'est bien celui que j'avais vu, concordance parfaite avec la R2 du jour, justement. Patchwork qui nous dit, est-ce qu'une conférence de presse, pardon, a plus d'impact que la publication des taux, par exemple, pour la BNS? Bonne question, Patchwork. Bien, en fait, ça dépend de ce que va dire, justement, l'intervenant en question. Donc, c'est-à-dire. Pour la Fed, on parle de Powell, hein, pour la Banque Centrale Européenne, bien sûr, la BCE, on parle de Christine Lagarde. Tout dépend de ce qui va être dit, en fait, les mots exprimés par la personne en question auront de l'impact selon l'orientation, justement. Si c'est inquiétant, si c'est rassurant, dans un contexte où on est du coup tous très très attentifs, ou si on est un peu moins attentif parce que de manière générale ça va un peu mieux, ça joue beaucoup dans la balance, justement. Hier, si vous voulez, pour ceux qui étaient présents sur les marchés, il y a eu une grosse réaction dès la publication des taux de la Fed. Moi qui étais par exemple sur graphique Renko, il y a eu beaucoup de bougies jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements très rapides inférieurs à 3 secondes. Ça s'est vu clairement. Et à partir de là, du coup, c'était une réaction assez importante dès ce moment-là. Ensuite, il y a eu Jérôme Powell et ça a permis la relance importante aussi, du coup, qu'on a eue jusqu'aux cotations qu'on a vues ce matin ensemble. Prends un autre café, nous disait Florian. Rémi qui nous disait, j'ai les yeux décollés, désolé. Ah, pas de souci, t'inquiète. Du coup, voilà, un patchwork, pour moi, ça va vraiment, si tu veux, dépendre du discours tenu par la personne durant la conférence de presse. Mais de base, les taux, du coup, c'est relativement une valeur sûre, j'ai envie de dire, dans le sens où ça va susciter vraiment des réactions. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Cette fois, comme il se doit, on va prendre du 20 points de stop. Ici, un risque à 50 euros, par exemple. Et un ordre en attente autour ici de la zone. On va parler de cette zone-là. On va voir si on peut casser ce petit double creux par le haut, la résistance R2 par la suite ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Sinon, ça risque d'être assez haut. On est sur notre fin de séance en plus. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus. Hein. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus que le bout de cette mèche possiblement. On va voir ça sur cette fin de séance, en tout cas. C'est vrai qu'on va avoir la publication européenne dans moins de 6 minutes. Donc on se rapproche quand même de cette publication. J'aimerais que ça se passe relativement vite, bien sûr. Il faudrait qu'on aille chercher les 59, idéalement. Faire déjà du 9 points.
Tu fais des petits reviews action aussi, Jérémy nous disait Florian. Oui, c'est vrai. Alors attends, on n'a pas pris le temps, mais là, on va aller voir si tu veux un petit peu les actions qu'on a habituellement. Apple qui réagit aussi depuis un test R1, R2 mensuel ici. On est dans une claire tendance haussière, hein, très très claire ici. On va étudier très rapidement déjà le sommet très récent créé ici aussi. Donc pour l'instant, on est voilà, comme ceci, tendance haussière sur des niveaux quand même de prix haut, bien sûr, sur Apple. Idéalement, une respiration qui aurait été plus profonde hein, pour trouver une ancienne zone résistance qui passe support. Le marché n'a pas attendu. En même temps, il a réagi bien sûr aussi avec les publications du FOMC. Donc on va avoir ici pour l'instant de la hausse qui se poursuit sur sur l'action Apple. Faire attention bien sûr au test du dernier sommet. Ce n'est pas du tout le cas ici. Sur Tesla, Tesla qui est en baisse. Tesla qui est sujet aussi bien sûr aux ventes des parts de Elon Musk et on a de la baisse ici qui nous emmène en fin de compte dans une configuration d'un drapeau en attente. Quelque part, on a une grande impulsion haussière, on a une correction sous la forme d'un canal baissier dont on teste actuellement quasiment la bande basse avec la zone support S1 intermédiaire, support S1, S2, pardon, intermédiaire mensuel. Donc, il faudra voir bien sûr si on a ce genre de comportement-là pour réussir à s'affranchir de ce canal-là, retrouver les tests des sommets précédents idéalement et pourquoi pas plus. Mais en tout cas, tendance baissière à l'intérieur de ce canal dans un format beaucoup plus large d'un canal de correction, mais je veux dire d'un drapeau aussi possible. Du côté de Facebook, on rebondit un petit peu suite à la réintégration de la zone un petit peu de range dont on avait parlé ici. Vous vous rappelez, rebond qui a été suscité le test du sommet précédent, mais qui n'a pas su le casser, qui a permis la réintégration. Et plus que ça, on est revenu et on réintègre encore, mais on tape à nouveau la borne. Donc attention à ce niveau vraiment des 340-342 qui est important en ce moment sur Facebook. Du côté de Netflix, sortie de la zone de range, toujours pareil ici par le bas. On a lancé une tendance baissière, on fait des sommets, des creux de plus en plus bas. On teste vraiment le creux précédent pour l'instant. Si on arrive à le maintenir, attention à l'obstacle désormais support S1 qui passe résistance. On parle des 620 sur Netflix pour le moment. Du côté d'Amazon, on évolue toujours dans un range. Clairement autour en plus de la partie médiane, ça se voit avec la touche HLS du mini terminal. Très simplement la délimitation entre les zones ici bleues et rouges. Et sinon, on avait aussi ici LVMH. LVMH qui en weekly reste totalement du coup dans sa tendance haussière, qui en graphique daily avait suscité un creux plus bas que le creux précédent. On a un gap haussier ici pour l'instant et on essaye du coup de remonter sur le test aux abords de la R1 mensuelle en l'occurrence. L'action Moderna aussi ici qui pour l'instant maintient un petit peu son creux précédent. On n'a pas su réintégrer vraiment la zone de range d'avant. Donc ça nous fait bel et bien une zone résistance autour des 350 pour le moment et une zone support qui va tourner autour des 220 qui reste intact encore. On va commencer à évoluer dans un nouveau range 350-320, pardon, 350-220 sur l'action Moderna pour l'instant pour ma part. Alors on avait aussi ici du coup l'action MicroStrategy hein, dont on avait parlé, toujours sur le test d'une belle zone support et des creux journaliers précédent ici. Pour l'instant, ça se tient, mais c'est vrai que les dernières jambes d'impulsion et de correction nous incitent à y voir plutôt de la baisse. Alors certes, une baisse qui nous emmène sur une zone support, soit on trouve du rebond, on peut même changer la tendance, soit on continue et on transforme une zone support en résistance. Voilà pour le moment. Alors on a cassé le petit double creux ici. Un petit double creux sur du M1 face à l'obstacle des 750. On a cassé, on revient tester le creux. Donc on va voir si on n'arrive pas à franchir le creux. Un stop aussi ici qui repart bien sûr dans la zone et qui va en fait conforter vraiment l'idée d'une réintégration de zone de range. Donc pour l'instant ici, je suis toujours justement dans la phase de retracement, toujours rester en tendance haussière sur le M5, sur le M1. C'est le DAX, hein, pardon, le CAC, comme je vous le disais, qui part dans une tendance baissière désormais. On commence à ranger à nouveau à l'instant sur le FTSE 100. On a du gold qui évolue en tendance haussière, mais très limité, toujours face à l'obstacle des 86,20 à peu près. Ça retrace de plus en plus sur le gold. On a un euro-dollar, pardon, ici, qui continue sa hausse, mais depuis l'open, on en est où? On n'a pas fait grand-chose hein, depuis l'open. Ouais, on a fait 5 pips de hausse. Le GBP/USD qui est du coup dans un range piégeur. Attention au mouvement de récupération possible. Voilà le FTSE 100 qui commence à ranger aussi. Ça se pose beaucoup de questions sur le DAX. Sorti sur une petite opportunité du double creux M1 en l'occurrence en stop ici aussi. Toujours en cours sur le graphique du coup Renko Alter. De toute façon, c'est la fin de séance. Il est 58. Je vais pas tarder à sortir de position. Je reviens sur le chat ici. Zenvo Globe qui nous disait dire que si on avait pu prendre le GBPUSD, on aurait pu se coucher pauvre et se réveiller riche. Ceci n'est pas un conseil, mais un fantasme. Ça marche, Zenvo Globe. Oui, bah, tu t'imagines bien encore bien plus, hein, limite sur les indices boursiers,
clairement. Donc là, il y avait des belles amplitudes de mouvement. Rémi qui nous disait, oui, c'est ça, Flo, j'en suis qu'à mon premier, du coup, ah, premier café, du coup, je comprends. Pareil, pareil. Florian qui nous disait, voilà pour le petit review des actions, j'espère que ça t'a plu. Patchwork qui nous disait merci, je t'en prie, Patchwork, et Jérôme qui nous disait merci pour tout, bonne journée. À toi aussi, Jérôme. On a aussi Florian qui nous disait merci. Alors tu fais aussi des actions Europe pour le coup. Alors dis-moi les actions qui t'intéressent, Florian, on pourra aller les voir. Hein. Je réagis vraiment en fonction de ce que vous aimez voir aussi dans ces séances. Donc n'hésite pas si tu as des noms d'actions européennes que tu souhaites voir. Rémi qui nous dit on peut imaginer le DAX retourner sur les 15 600. Alors vu que pour l'instant ça se maintient en réintégration, la borne basse c'est déjà les 15 700. 15 700 avec la R1 du jour pour l'instant ici. Justement, et si on perce cette borne basse, on a la partie médiane des 675 et la borne basse, en l'occurrence, des 600. Mais tu as déjà des obstacles un petit peu intermédiaires qui sont présents. Tu as déjà des obstacles. Jérôme qui nous remercie, je t'en prie, Jérôme. Florian qui nous dit perso, j'ai un PEA, voilà pourquoi je suis plus axé Europe. J'ai chargé le secteur aérien pour janvier-février. Ça marche, Florian. Pas mal ici, décision faite sur Grave, ça marche. Donc n'hésite pas si tu as des actions en particulier que tu aimerais que j'aille voir. Christina qui nous dit je vous remercie pour le live, Jérémy. Merci à tout le monde. Rendez-vous à 13h. Avec plaisir. 13h30, hein, Christina. 13h30. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci de nous rejoindre aussi cet après-midi. Florian qui nous dit du coup, je suis positionné sur Airbus Safran ADP URW en ce moment. Alors attends, je regarde la montre, il est 10h. Si ça te dit, Florian, si tu es dispo cet après-midi pendant le live et que du coup on a un peu de temps. On pourra aller voir ça, on pourra aller voir ça, c'est pas un souci. Ça continue de baisser sur le DAX. Je vais sûrement avoir un stop ici aussi déclenché. À une bougie, voilà, ça va sûrement sortir en perte ici aussi. Donc la poursuite de la tendance haussière qui n'a pas donné face à l'obstacle des 750, pile poil là où on s'est retourné, on a eu l'obstacle de la Big ML et du coup ça repart à la baisse. Donc comme quoi il n'y a pas que des trades gagnants bien sûr. Ici c'est important de le garder à l'esprit. C'est important aussi de bien faire sa gestion du risque. Et quand on a des trades perdants, si on s'arrête dans le creux de la vague, eh bien c'est malheureux parce qu'on va changer de système, on va aussi du coup tomber dans un cercle qui est vicieux puisqu'on va chercher une nouvelle solution. Pourquoi? Parce que l'être humain est toujours à la recherche quelque part d'un système parfait, de la perfection, ce qui n'existe pas. Donc il faut bien comprendre la stratégie qu'on utilise pour se dire voilà. À l'heure actuelle, bien du coup, les choses sont telles quelles parce que la stratégie est comme ça et parce que c'est une période de drawdown qui est en fin de compte quelque part le point commun à toute stratégie. On a toujours des périodes de drawdown, on a toujours des périodes de gains consécutifs et successifs. Donc, il faut faire avec, il faut en être conscient. Si on n'est pas conscient de ça, on se dit bon, ben, ça a marché un temps, maintenant ça marche plus, je change, etc. Je vous le dis parce que je suis passé par là et je l'ai fait pendant pas mal de temps. Donc, ça. Le souci de ça, c'est que ça va aussi ralentir votre processus et votre progression en trading, parce qu'on va toujours changer de système, on va toujours, pardon, passer de système en système, et à partir de là, de stratégie en stratégie, on va essayer un nouveau truc à droite, un nouveau truc à gauche, et on va pas réussir à se poser, on va pas réussir à comprendre le mécanisme et le pourquoi du comment. C'est pareil, ça me fait penser souvent quand on cherche la raison d'un trade perdant. Quand on développe une stratégie, on peut faire un petit peu ça. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas tomber dans le systématique aussi de se dire, tiens, pourquoi ce trade-là, il a été perdant? Un trade, du coup, gagnant et un trade perdant, ils peuvent avoir la même, du coup, ça peut, ils peuvent tout à fait se ressembler, c'est-à-dire que le setup on peut dire que toutes les conditions sont réunies. C'est pas pour autant que c'est un trade gagnant et du coup c'est pas pour autant que c'est un trade forcément perdant non plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que un trade perdant, c'est tout simplement une belle opportunité qui n'a pas donné, puisqu'il n'y a pas de garantie en trading comme en finance, etc. comme dans la vie tout simplement. Et à partir de là, un trade perdant, c'est un trade c'est une belle opportunité qui n'a pas donné. Un trade gagnant, c'est une belle opportunité qui a donné. Donc à partir de là, on ne peut pas toujours tomber aussi dans l'approche pourquoi ce trade-là est perdant, pourquoi ce trade-là est gagnant. Ça tombe aussi, si vous voulez, dans le mécanisme vraiment d'une suite consécutive de trades et de probabilités, de statistiques, etc. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça, c'est très important à comprendre. On a un très bon exemple ce matin avec plusieurs trades perdants. Donc je voulais vous en parler aussi, puisque c'est important, vous voyez bien ici, je vous montre la plupart du temps du coup des scénarios, il y a plus de gains que de pertes bien sûr, mais en période de perte, il faut souligner ce qui est important à souligner, ce qui est important à garder à l'esprit, parce qu'il y aura toujours des pertes, et à partir de là, la vraie différence du coup entre un trader professionnel et un trader du coup amateur, ça va être la gestion dans cette phase-là. Gérer les phases de gains, un peu tout le monde peut le faire hein, simplement et facilement, j'ai envie de dire, même si des fois il y en a qui tombent aussi dans le piège de s'en
s'emballer, de croire qu'il est, du coup leur système est parfait et de prendre de plus en plus de risques, ce qui n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, là où il est le plus difficile de gérer les choses, c'est en période de perte, car il y aura toujours des périodes de perte, donc il faut savoir gérer ça. Voilà, petit point pour la fin, ça me semble super important. J'espère que ça va vous servir bien sûr à l'avenir. On avait du coup Florian qui nous dit: j'ai une forte conviction via mon trading, mais l'avis d'autres traders, c'est toujours bien d'écouter un autre son de cloche. Pas de souci, Florian, on ira voir ça si tu veux. Laurent qui nous dit merci, je t'en prie, Laurent. Florian qui nous dit 13h, donc non, 13h30, hein, 13h30 cet après-midi. Niri qui nous dit merci, Jérémy, à tout à l'heure avec un pouce. Merci beaucoup, Niri, ça fait plaisir. Damien qui nous dit merci encore, Jérémy, pour ce live et pour ton savoir. À tout à l'heure, 13h30 pour la suite de la journée. Avec plaisir, Damien, avec plaisir. Général qui nous disait aussi CAC 40 a touché mon stop. Désolé de l'apprendre ici, Général. CAC 40 qui peut t'en orienter en baisse. Ici désormais, on a franchi les 7020 et on descend petit à petit sur la symétrie de marché, 7006 points. Toujours en cours pour l'instant ici, mais de toute façon je vais sortir du scénario, il est 10h05, ça va être la fin de séance, on va faire un petit point de marché ensemble. Ici, tendance haussière qui se maintient encore pour moi sur ces graphiques, clairement, tandis qu'on range sur le FTSE 100 et qu'on est en tendance baissière sur le CAC 40. Alors, petit point de marché rapide ici sur le DAX. De toute façon, on se retrouve cet après-midi hein, pour en reparler, bien sûr. Du coup, on est toujours vis-à-vis de la borne haute, zone de range, après un grand mouvement haussier. On n'arrive pas à continuer au-delà de la R2. On a réintégré la petite zone de range, du coup, ici. Sur le graphique 5 minutes, on est en respect de la borne haute du graphique horaire de cette zone de range. Donc limité pour l'instant entre la borne haute et la résistance R1 cassée. Donc ici, trading en range jusqu'à preuve du contraire. Cassure par le bas pour un prix médian et une borne basse. Et sinon, on reteste de la R1 dans un, de la R2 pardon, dans un premier temps avant des sommets supérieurs, voire la R3. Côté, on va repartir sur le CAC aussi. Sur le CAC en graphique horaire. Hop, ici, réintégration du coup de la zone de range, direction prix médian possible avec le point pivot et borne basse avec le support S1. Si on finit par ressortir, on refera ici un effet support possible en direction de la R1 et du coup journalière et mensuelle. Trading en range dans la zone ici un peu probable, puisqu'ici ça sera plutôt la réintégration et du mouvement directionnel possible. Côté britannique en 2 secondes. Ici, on réagit face à la R1 et un petit peu au sommet précédent sans avoir attaqué la borne basse de la zone de range précédente. On a une belle zone ici, résistance qui passe désormais support. Attention du coup au test dans la zone, sinon on passe résistance en la cassant et en retournant ici cette zone de support à résistance. Côté américain, ça pousse encore un petit peu ce matin au-delà du sommet précédent, au-delà aussi du coup de la zone de range cassée borne haute. Direction possible à R1, respiration tout à fait probable aussi bien sûr pour trouver du rebond ou de la réintégration en zone de range. Du côté du Dow Jones 30, attention au sommet précédent également ici. On a cassé le sommet le plus récent pour faire un test idéalement de la R1 avec le sommet encore d'avant. Respiration probable aussi autour de la R1. Et si jamais on décide de retourner la tendance, voilà à quoi ça va ressembler. Réintégration du range aussi précédent. Il faudra plus de volatilité que ça bien sûr pour y arriver. Rejet de la borne haute ici, des deux bornes hautes confondues un peu avant la R1 du jour sur le Nasdaq 100. Respiration possible en direction du point pivot et du prix médian. Du côté du gold, on passe sur un graphique ici H1 sur lequel on s'aperçoit qu'on est toujours face à la résistance R1 borne haute aussi avec les 787,50. Soit on a une cassure, soit on a un range par rapport à ce qu'on a ici précédemment, soit on a un rejet et niveau prix médian et creux précédent. Du côté du pétrole, ce que je vous disais, on est toujours en fin de compte en consolidation autour du point pivot ici mensuel, soit pour une cassure par le bas, soit réintégration, mais à ce moment-là, attention à la R1 et au sommet précédent. L'euro dollar ici, graphique horaire, qui va nous montrer la cassure donc de la borne haute, mais pour se limiter au sommet précédent et à la R1 du jour pour l'instant. Donc trading en range dans la zone ici possible, réintégration par la suite ou cassure de la R1 par le haut. Du côté GBP/USD, on a eu ici donc la cassure de la zone de range, on s'arrête sur la R1 pour l'instant. On peut ranger entre les deux ou réintégrer le trading de range. Si ce n'est pas le cas, on pourra s'élargir un petit peu, monter, progresser au-dessus de la R1 du jour. Petit point du coup sur le Bitcoin, toujours limité du coup dans la zone de range, mais on a cassé le dernier petit sommet idéalement pour faire un nouveau test des obstacles au-dessus de nous, borne haute de la zone de range avec notamment ici les 50 675 à peu près. Voilà pour le petit point de marché sur cette fin de séance, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Ce matin, des exemples hein, clairement pour nous rappeler, attention, il n'y a pas que des trades gagnants, il faut aussi faire attention à la gestion du risque, il faut aussi
penser que des trades perdants, ça arrive. Comment on réagit à ce moment-là? C'est ça qui détermine la suite, bien sûr. Est-ce qu'on change de système tous les 4 matins ou est-ce qu'on va se poser et on va comprendre le pourquoi du comment et en fin de compte, derrière, pouvoir se dire, bon, ben, en ce moment, je suis dans mon drawdown. Est-ce que du coup, je connais mon drawdown? Je sais à quoi il ressemble? Si la réponse est non, il faut faire du backtest. C'est mon opinion personnelle, c'est ce que je fais personnellement pour connaître la taille maximum de notre drawdown, pour savoir à quel point, du coup, on peut avoir des trades perdants consécutifs. Et si ensuite, on sort de cette quantité-là, de cette analyse-là, on peut à ce moment-là peut-être alors remettre en cause le système. Mais tant qu'on reste cohérent, tant qu'on reste dans des choses habituelles, il n'y a pas de raison, c'est naturel. On a des trades gagnants, on a des trades perdants, ça s'exprime sous forme de drawdown et de trades gagnants consécutifs. Voilà Philippe qui nous dit merci à tout à l'heure avec plaisir. Philippe, et général, tu nous disais, tout comme le marché français, le marché américain peut-il ouvrir à la hausse aujourd'hui? Oui, tout est possible, clairement. Tout est possible. En plus, on va avoir des publications importantes à 14h30. Donc, on va voir comment réagissent les marchés ensemble live cet après-midi. Régis qui nous disait, bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Régis aussi, c'est la fin de séance, mais par contre, on se retrouve à 13h30 pour la suite. Zaraki qui nous disait justement, merci encore pour le live et passe une bonne journée à toi aussi, Zaraki, merci. On a aussi Walk qui nous disait, bonjour, j'ai une question à propos du day trading. Y a-t-il une limite de trading autorisé par jour en France ou n'est-ce qu'une rumeur? Alors je t'avoue que je ne suis pas au courant d'une limite de trading. Après ça dépend de ce que tu entends par limite. Est-ce que c'est un nombre de trades? Est-ce que c'est une taille de position maximum, etc. Voilà, ça va dépendre de la taille de ton capital aussi, de ta manière de trader. Laurent qui nous dit super, merci, je t'en prie Laurent. Rémi qui nous dit merci, bonne journée à tous, à toi aussi Rémi. Voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. 96 likes, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de cliquer sur le petit bouton like. N'hésitez pas, ça fait du bien, du coup, bien sûr, de savoir que vous aimez ces émissions-là. Pour la chaîne YouTube, ça la fait grandir aussi, donc n'hésitez pas. Très très bonne fin de matinée. Je vous souhaite pas une bonne journée puisqu'on se retrouve cet après-midi, mais ça va de soi forcément, hein, pour tous ceux qui ne sont pas avec nous cet après-midi. Bonne journée aussi, très bon trading et je vous dis donc à tout à l'heure, 13h30. Je vais vous repartager le lien, je crois que je l'ai toujours ici. Voilà, hop, c'est celui-ci, le lien du live de cet après-midi qui est déjà programmé sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver donc ici. Hop. Alors non, pardon, ça c'est le webinaire. C'est le webinaire du coup de mardi soir. Le lien pour le live de cet après-midi, il est juste ici. Donc 1h30 p.m. Donc c'est 13h30, bien sûr, heure de Paris. Je vous mets le lien hop, juste ici. Et on sera live tout simplement pour voir les taux de la BCE, reparler un petit peu de tout ça et voir du coup aborder un peu plus encore le topic comme d'habitude dans ces séances-là du trading sur le calendrier économique, hein, du trading de news. Raphaël qui nous dit merci beaucoup, Jérémy, très instructif. Avec plaisir, Raphaël. Merci beaucoup à toi pour ton message. Très bonne fin de matinée à tous. Bon appétit. Je vous retrouve tout à l'heure. 103 likes, c'est parfait pour finir la séance. Merci à vous tous. Et je vous dis du coup à cet après-midi.